En cette période des fêtes de fin d'année, la direction générale de l'ONA se félicite d'avoir pu maintenir la tradition. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut d'être présents en grand nombre ici en ce 20 décembre 2013. Il s'agit de vous célébrer, auguste pensionné de l'Office, et de vous rendre cette année encore des hommages plus que mérités. Quand je considère les longues années de dur labeur de votre vie active, les nombreux sacrifices que vous avez dû consentir pour votre famille d'abord et votre pays, notre pays ensuite, je déclare solennellement que vous êtes digne d'être honoré. J'imagine aisément, quand je regarde ma mère, ce qu'il vous a fallu de tempérance et de sagesse pour atteindre l'âge béni où vous êtes parvenu. C'est pourquoi j'invite toutes celles et tous ceux qui sont ici à marcher sur vos traces, à suivre votre modèle de manière à ce que notre communauté devienne un meilleur endroit. Un meilleur endroit pour des relations plus cordiales et plus compréhensibles. Moi, quand on pire pour me dire, nous-mêmes pensionnés l'ONA, c'est pour nous-mêmes l'ONA exister. Sans nous-mêmes, pas besoin, pas la même besoin de l'ONA. Et puis tout, institution fière de nous, tête calée. C'est peut-être ça, moi-même en premier, moi-même à tout collaborateur, nous étions chapeaux, nous, bien bas, devant nous tous. Nous battons gros toto bravo encore pour nous. Parce que pas grand monde qui a démenti là, si on dit nous faire preuve. Nous démontrer à clair que c'est nous-mêmes qui les bien comprendre. Raison de faire autorité pays d'Haïti à l'époque, de mettre l'ONA campé. Pour y aller, comme nous parlons de bon travail encore, eh bien, l'ONA a mis le voile propre pour camper bien derrière nous, pour courir nous, tête calée. L'ONA a campé mine pour nous toujours tout le temps, toutes les bonjour sur la santé dans le bonjour à l'hôpital. Monsieur, nous passons un paquet de temps dans la vie que nous avons travaillé. Et puis, récompense l'effort que nous avons fait pendant que nous étions au monde actif, vraiment actif. Et bien, c'est pendant que nous avons 60, 50, 60, 70 ans, 75 ans, pour nous bénéficier, oui, la peur, ça. Non, disons encore, nous croyons qu'il est possible d'ajuster, de rendre nous, ça, au cap vivre, nous vivre avec une pension décente. C'est Réona. Réona, c'est permettre à ce pensionnaire qui nous va tout faire pendant l'existence et maintenant, au seuil de leur existence, ils ont qu'à bénéficier d'une pension qui est valable, qui vraiment répond à l'exigence moment qui permet de vivre en tant que personne, dans la dignité. Je voudrais souligner encore avant la cadence. La politique de protection sociale du ministère des Affaires sociales en conformité avec les grandes lignes d'orientation du président de la République et du chef de gouvernement, vise à moderniser les structures administratives de l'ONA pour la prestation de services de qualité à non seulement
aux cotisants, mais aussi aux pensionnés. C'est ça, la pougna là, qui permet de nous réflexion sur nous-mêmes. Réflexion, c'est que si gestion dans l'IA, dans le passé, les gens qu'on a pour notre modèle de gestion. Et vous souhaitez non seulement la direction de Général Léonard et Sergent à le niveau, vous souhaitez tout à ce que pensionnaires vous bénéficiez de meilleures prestations pour que vous des femmes. Rappelez-nous que ministre en charge, Premier ministre, Président de la République, passez déjà des instructions pour que, comme ça, si tu as bien, si tu as bien, de telle sorte que nous-mêmes, dans les réflexions, nous savons que Président de la République et l'équipe gouvernementale là, soucieux de problèmes, nous. Non seulement le problème des pensionnés, le problème de tous les travailleurs, en général. Et vision, c'est pas seulement qui ça, non pas pour que, mais qui ça dans tout le pays. Nous t'apprêtons qu'à l'année prochaine, dans la célébration des pensionnés, à travers différentes enquêtes de dollars, faites à réaliser tout, à ce que nous en dehors, nous nos cas, nous dans le droit, bénéficier de même. Président Dino, par l'entreprise du ministère des Affaires sociales, par mon organe, voyez-moi et bonne année 2014.